Oh, vidéo sur les caleçons, j'entends souvent les gens dire: Ah, j'ai un caleçon, c'est taille 2, 3, 4, 5, je mets quoi? Bon, là, ça va, c'est facile. Oui, j'ai la taille L, c'est à peu près ce que tu mets. Mais il y en a qui sont habitués aux tailles 1, 2, 3, 4, 5, enfin, surtout 2, 3, 4, hein, taille 1, c'est rare. Voilà. Et d'autres qui sont habitués aux tailles S, L, L, S, M, L, XL. Donc, là on est sur deux types. Hein. Donc, il y a le Zikimen, donc c'est pas cher ça, et le Frigun. Donc, il y en a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas terrible comme caleçon, ça tient pas. Franchement, tu peux acheter des caleçons à 20 euros, c'est pareil. C'est fabriqué au même endroit. Donc, c'est tout fabriqué en Chine, de toute façon, faut regarder. Regardez bien, c'est souvent fabriqué marqué là, fabriqué Chine. Là, c'est pareil. Marqué où ça? Voilà les dispo. Mais souvent on se rend en Chine, faut pas rêver. Là, toi, ça vient de chez Action. Alors, comment on fait? Bah, c'est simple. Regarde. Là, tu retournes. Bon, et là, tu as les tailles. Donc, S, c'est des tailles 2. Je vais mettre la petite lumière si on peut. Voilà. S, c'est taille 2. M, c'est taille 3. L, c'est taille 4. XL, c'est taille 5. C'est simple, tu vois, t'as pas à t'embêter. Ah, faut laver sur l'envers. Ouais, c'est mieux. Comme ça, si tu le laves sur l'endroit, tu vas mettre du temps à le laver. Ça, c'est le design. Bon, sans le design, ça va la poubelle de toute façon. À moins qu'ils ont fait aussi le design de ça. Là. Non, tu vois, c'est du caleçon standard. Ça, hein. Taille L. C'est marqué un taille. Gun, taille L. Donc, ils disent qu'il faut le couper, ça. Alors pourquoi faut le couper? Je sais pas. Ils disent de le couper. Peut-être de peur que après tu. Ça te gêne. Mais je sais pas pourquoi tu le coupes. Après tu vas pas savoir c'est quoi comme taille. C'est un peu idiot. Bon, je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à bientôt.